déjà le tome 4. Rendu en 1973, j'arrivais à la fin de mes études et j'ai dû cesser mes activités d'accompagnateur à la batterie pour les artistes chanteurs. J'ai dû aussi arrêter d'être instructeur dans les corps de clairon pour me consacrer à mes études. Ma fille Sylvie est venue au monde, donc j'avais deux enfants. Il fallait vivre, alors je me suis inscrit aux prêts et bourses pour finir l'année en beauté et obtenir ainsi mon premier prix en percussion. Comme le groupe Manège n'était pas encore tout à fait établi et qu'il y avait beaucoup plus de répétitions que de spectacles, j'ai continué à participer à ce beau grand laboratoire expérimental musical. Nous essayions vraiment de ne pas faire comme les autres. On voulait avoir notre style et peut-être que ça a joué beaucoup pour nous au début, mais peut-être ça se peut qu'après ça a joué un peu contre nous aussi. Mes premiers balbutiements de création de musique ont eu lieu au secondaire quand je tapochais sur mon pupitre en classe et qu'on m'envoyait dans le corridor. Et là, je pouvais continuer dans le corridor à tapocher à mon goût. Et puis là, j'écrivais des espèces de vagues sur papier qui décrivaient ce que j'avais en tête avec mes rythmes. Mais seul moi pouvais comprendre ces écrits. Me donnait du travail à faire que je faisais. Je commençais 15 minutes et là, c'était plus fort que moi. Je commençais à explorer la mélodie. C'est comme ça qu'est né en moi le goût de trouver des belles mélodies. J'ai découvert le rythme. D'autre part, sur le piano, j'ai exploré les mélodies. Et avec le groupe Manège, c'était le gâteau. Tout ça réuni ensemble avec des passionnés, c'était merveilleux.